Plus passé 255 millions Américains déjà voté pour choisir qui est-ce qui prend le président les États-Unis dans jour cap vini yo là. Élection ça, c'est une élection qui concerne toute nation sous la terre cause États-Unis c'est première puissance mondiale entre Trump et Biden. Qui est-ce qui a gain chance joindre que les Maison Blanche? Est-ce que c'est Trump qui prend pour une deuxième fois ou bien est-ce que c'est Biden qui prend dans mais Trump? Bonjour bonsoir tout le monde et bienvenue dans journal jodi a comme nous connaît chaque 8h sous Channel ça nous toujours casser rendez-vous pour nous porter toutes dernières informations nationales et internationales qui fait actualité pour moment comme nous connaît élection aux États-Unis vraiment a fait parler de lui et puis tout monde toute nation sous la terre était jécalé yo pas dormi yon façon pour yo connaît qui est cap gagner élection. Hier soir, le président Trump déjà crié victoire que le président, bien que le résultat définitif yo poko bay. En pile moun te sans masque et distance sociale la pat respecté tout comme nous connaissons dans moment. Coronavirus vraiment a ravagé les États-Unis et c'est pour première fois qu'il y a une pandémie comme ça et puis pour élection a fait dans moment, c'est un passage obligé puisque les arrivé pour faire élection pour connaître qui est yo pral baye diriger pays qui est ce qui pral diriger le monde tout parce que c'est première puissance mondiale. Dans Wisconsin, yo poko bay résultat cause nous connaît te gen panne lan. Fòk résultat bay pou konnen ki es ki gen kous la. Inconvénient ça vraiment désagréable bien que Joe Biden devant et Trump. Fòm di nou nan Wisconsin état ça vraiment indispensable pour Joe Biden déjà nous connaît Joe Biden ta mené à 49.3 et Trump lui-même ta 49%. Li rete seulement 11% voix qui pou compter. En ce sens, si Joe Biden gen chance prend tout pas d'un moment, m'pa kache dou Joe Biden a lavé l'air. Archipel Pacifique la gagné 4 grands électeurs et tout déjà allé joindre Joe Biden. Ça te fait un total de 224 grands électeurs sous 213 que Trump lui-même li te gagné. Et déjà Allemagne vraiment inquiété pour une situation explosive États-Unis après déclaration Trump fait avant même yo bay résultat yo. Ministre défense allemande là mettait en garde yon crise constitutionnelle nan États-Unis. Équipe Biden a réagi sous déclaration Trump là parce que Trump fait connait que c'est fraude et fête victoire malgré résultat partiel yo fait connait c'est Joe Biden qui devant démocrate a fait connait c'est un scandale et il fait connait tout la combat Trump devant la justice et m'pa caché dit nous pour ça qui sorti a et bien Twitter lui-même t'est obligé modifier tweet président États-Unis donc le président jusqu'à présent et malgré ça la participer dans course électorale là li fait connait que donc démocrate yo volé élection parce que gagne un paquet état li était déjà devant et pour le moment li just souhait Joe Biden a passé devant donc li accusé démocrate yo de fraude. Chou fait connait que c'est fraude et c'est une honte pour pays ya fòk nous grandi intégrité pays ya. Dans l'élection ça, nous souhaitons la loi appliquée correctement, nous pral la Cour suprême, nous souhaitons vote campé. C'est un moment triste pour moi. Malgré le déjà fait déclaration, moi gagné et déjà gagné. Dans ce qui a passé aux États-Unis dans moment là, mesdames et messieurs, c'est pas un bagaille qui petit. Pour qui ça? Pas oublier que dans l'élection qui t'est passé yo, les Hillary Clinton avec Trump t'a participé dans course électorale pour président. Eh bien ça qui t'est passé, Clinton était toujours devant, tout le monde a dit Clinton a arrivé président et puis boum, Trump voup, il passe son vitesse et puis Trump lui-même li gagné. Mais jusqu'à présent, dans le moment que n'a parlé à là, Joe Biden lui-même il y a 248, donc jusqu'à présent et réveil la caille Joe Biden a fait tic tac. Tic tac, yon façon nan lè k'ap vini yo la pou dégager le presse pou prendre 270 grands électeurs pou la faire discours comme président des États-Unis.
Est-ce que Trump a passé devant ou bien est-ce que Joe Biden a continué mener dans état que poko compte bulletin yo yon façon pour capable vinn président les États-Unis. En pile moun a parlé, en pile commentaire a fait. Internet la rive au moment que li chaud a causé élection aux États-Unis, mais tout moun a dit Trump gagné, en pile moun a dit tout, retire kòl la, c'est Joe Biden qui a gagné parce que puisque Joe Biden lui-même li déjà avec 248 grands électeurs. Est-ce que ça qui t'est passé nan veya, c'est li qui va le passer dans l'enterrement. Personne pa ko ka konnen parce que ça qui t'est passé en Trump avec Clinton nan, personne pa ta souhaité qu'elle vienne passer ensemble avec Joe Biden et Trump. Donc si Joe Biden devant, quelque belle mayette yon façon pou gagner élection pou capable vinn président les États-Unis parce que en pile moun c'est ça yo vle ki pou fèt. Femme di nou tout. Président Trump allait pile loin pendant dépouillement pour qu'on fin fête dans plusieurs états, li crier victoire. Li gagne Texas avec 700 000 voix, Georgie avec 2,5 points d'avance avec 7% voix, dans Caroline Nord, li gagne 1,4 ak 5%. Donc président Trump a déclaré que Joe Biden n'a pas qu'à prendre devant. En Pennsylvanie, li gagne là avec 690 000 voix. Donc, li a 64% personne pa ka arrive barrel. Mais ces déclarations ça le fait. Fòm di nou tout dans Texas, président Trump remporté yon état qui vraiment important dans course électorale là. Donc, gen 38 grands électeurs tout allé joindre président Trump. Nan moment là, Joe Biden, j'ai que m'sot di nou, li a 248 et Trump li même leader toujours. Donc la dégagé la coûte que coûte pour que li ka arrivé joindre Joe Biden ou bien est-ce qu'elle a passé devant? C'est question ça yo qui a posé ou bien est-ce que Joe Biden li même a continué avancer pour pi devant? Donc ça qui paraît vraiment choquant nan moment qui fait tout moun rete sous suspense, c'est parce que Trump lui-même li gagne Floride. Donc Floride c'est un gros parti, Floride vraiment important nan cause voter nan élection. Donc c'est président Trump qui gagne la jouette la mêlée. Donc tout moun a baye commenté pa yo et déjà gagne un tranjan qui élit comme sénateur. C'est pour la première fois que yon tranjan a entré nan parlement américain. Ça m'a fait nous comprendre c'est que tout président qui passait aux États-Unis toujours gagne des mandats. Ça veut dire 4 plus 4 fait 8 ans. Nous songeons que le président Obama te fait tant ça. Mais pour le moment, jan sa ap marché là. Est-ce que président Trump a arrivé joindre deuxième mandat, bien que déjà il commence à crier victoire, moins gagné déjà malgré résultat définitif yo poko bay, tandis que Joe Biden lui-même a gardé dans montli pour qu'il le fait une façon pressé pour le faire discours li dans Maison Blanche parce que il déjà a 248 voix grand électeur. Donc, li pa manke en pile di tout pour arriver avec 270 là nan ka sa qui est kap gagne match là. Jouet la serré et déjà gien pile menace kap fait sous tête pays aux États-Unis, pas oublier dernièrement là, président Trump te fait konnen que si c'est Joe Biden qui arrive président, li ba li 3 semaines pour que monsieur shutdown. Nan ka sa, en pile zam a distribué, en pile zam a vendre tout nan moment parce que tout moun a cherché yon ti bagay pour mettre la kayo pour protéger tête yo, pour protéger business yo parce que après élection ça personne pa konnen ki sa pral passe nan peyi aux États-Unis d'Amérique. N'ap tombe nan peyi d'Haïti, Conseil National Télécommunication Konatel lance yon kanpay sensibilisation pou kat sim kap van coup pate kode nan tout la ria nan peyi d'Haïti, ki se yon objet ki koz an pil mauvais ak nan peyi ya. Et déjà li annonce en pile gros décision à prendre pour stopper cause vente sim dans n'importe condition dans pays a. Vente carte sim yo c'est toujours un problème que lié et dans pays a. Parce que carte sim yo vend yo n'importe quel gens
et en pile fois là au vendre pas même bien pièce d'identité, donc n'importe monde capable d'avoir accès à une ou à plusieurs cartes SIM. En 2013, nous avons commencé à prendre des mesures pour nous limiter ou du moins pour nous éliminer vente carte SIM sans que client capable acheter carte SIM n'a pas gagné une pièce d'identité. Mais malheureusement, depuis à peu près 3-4 ans, mesure ça n'est pas vraiment respectée. Donc, lorsque moi j'ai gagné une chance pour retourner à Conatel en octobre 2019, et moi j'ai fait constat, et moi j'ai pris des mesures, moi j'ai commencé à travailler moi-même avec l'administration ainsi qu'opérateur, nous avons commencé à discuter pour nous voir qui gens que nous capables d'éliminer le problème ça une fois pour tout. Tout d'abord, un gros point que nous avons besoin de faire, qui est clair. Et en pile, nous toujours comprendre que Conatel a des informations sur les clients qui gagnent une carte SIM. Ce n'est pas le rôle de Conatel pour gagner des informations sur les clients qui ont une carte SIM. C'est le rôle de l'opérateur qui vend une carte SIM pour gagner des informations sur les clients. Donc, Conatel n'est pas là pour c'est lui-même qui a collecté l'information. Donc, Conatel là pour imposer des règlements qui pour obliger l'opérateur leur vendre une carte SIM pour prendre pour une pièce d'identité de façon que la carte SIM soit capable de retracer qui est ce qui est propriétaire. Donc, ça, c'est l'opérateur qui a des responsabilités. Hein. Et responsabilité Conatel pour nous là, c'est pour imposer un règlement. De manière que l'opérateur reconnaît qu'il n'est pas capable de vendre une carte SIM sans que pas gagner une pièce d'identité. Et aujourd'hui, justement 3 novembre, c'est le jour lancement officiel de processus pour l'heure où on a acheté une carte SIM, pour qu'on toujours gagner une pièce d'identité pour le présenter. Maintenant, basé sur l'expérience que nous faisons, nous toujours connaît que même le règlement ça yo nous imposé yo pas gain rien qui garantit que vendeur qui l'a là ou il va respecter. Maintenant nous travaillons avec opérateur pour venir avec un système qui permet que nous éliminer au maximum utilisation frauduleuse ou utilisation illégale de carte SIM. Tout vendeur a gagné un smartphone ou téléphone intelligent. Téléphone intelligent, ça, l'a gagné une application là-dedans. C'est opérateur qui a bâillé l'application. Ce n'est pas Conatel, c'est Natcom développer l'application. Hein? Digicel développer l'application parle en fonction de conditions que Conatel établit. Le Wallo va acheter une carte SIM. Il a pris un téléphone, non? Il a ouvert l'application hein? Et puis il a pris une photo de carte SIM. Vendeur n'est pas capable de changer en rien la photo que et la photo carte d'identité ça. Donc une fois que l'application prend photo ça, l'application a déchiffré toute information sous pièce d'identité client et une fois que le déchiffré l'a envoyé pour opérateur. Nous bail opérateur au nombre de temps ou système opérationnel à 100% sur le territoire ici. Direction centrale la police là à travers 10 départements pays a fait connait sorti mois août pour arriver mois octobre PNH la fait 6525 interventions. Porte-parole la police la continue pour le dire gè côté qui t'a demandé plus ressources humaines ak logistique. La direction centrale de la police administrative à travers les 10 départements géographiques du pays, rivé fait 6407 interventions. Tandis que DCPJ pour col fait 118 interventions. Ce qui va ça rivé ba en tout 6525 cas côté la police té intervenu. Même si bien entendu, gagne des situations côté yoté obligé et mobiliser plus ressources humaines, plus logistique, parce que toute intervention n'a pas nécessité
même moyen. Alors que parmi intervention ça yo, direction centrale police administrative à travers ces 10 départements et les services de la police judiciaire de ces départements, yo arrivé faire 4563 interpellations tandis que la police judiciaire fait 118, ça bail en tout 4681 interpellations que la police rive faire dans ensemble sur tout territoire sorti mois d'août pour arriver mois d'octobre. Yo saisi zam tout. Si la police administrative rive saisi 145 armes parmi eux des armes de poing et des fusils de guerre, police judiciaire là li rive saisi 66, ça bail en tout 211 armes qui saisi pendant période 3 mois terminator ça et policiers de différentes unités en dans la police là a mené opération sur espace public là. Si yo saisi armes, certainement te gen munition. Police administrative bon côté parle à travers les ports et les aéroports et les différentes intersections, yo rivé saisi 7927 munitions tandis que police judiciaire 14221 munitions, sac bail en tout 22148 munitions. Cour supérieure des comptes et du consensus administratif. Sorti nan rue 6 avenue Christophe Albout nan angle rue Chanmas ak la Réunion, nouveau bâtiment sa gen 6 niveaux et yon service data haut débit. Aucun détail pat négligé nan nouveau local sa d'après Clément Belizère, directeur construction logement bâtiment public. Sa superficie totale est de 15258 m2, c'est un bâtiment à 6 niveaux. Donc voici les détails. Bloc sanitaire, salle électromécanique et commande de pompe d'incendie à chaque niveau et une technologie dernier cri pour les services de data. Le niveau 1 qui est de 3002 m2 compte 61 parkings, réception, lobby, service courrier, archives, sécurité, génératrice, premiers soins, gestion de déchets, logistique et transport, climatisation. Le niveau 2 qui est également de 3002 m2 le service de contentieux administratif, délibération, 2 unités, 2 salles d'audience, la division recettes publiques, les comptes généraux, le service technique, le service du personnel, la comptabilité, l'inventaire, cafétéria et cuisine, réception de marchandises, salle de conférence, petit personnel, archives, salle de travail, service du transport. Le niveau 3 également, 3002 m2, direction administrative, collectivité territoriale, direction de l'appui au maintien des comptes, archives et documentation, coordination des organismes autonomes, consultants et chargés de mission, conférence, salle de conférence informatique et reproduction. Le niveau 4, unité de contrôle interne, service technique, service d'approvisionnement, greffe centrale, conférence, intendance, secrétariat général, unité de planification, auditorat. Nouvelle adresse ça vient dans moment fonction publique là a subi un pile réforme pour rendre l'état plus efficace à différents niveaux. Président coup des comptes là Ogaville Boagené dit il satisfait de réalisation ça, il dit qu'a permettre de remplir plus bien mission yo gagné comme juridiction financière et administrative. Je voudrais pour terminer vous réitérer la satisfaction du conseil de la cour de l'érection de ce bâtiment pour lui permettre de répondre convenablement à ses obligations constitutionnel et légal. Je saisis l'occasion pour exprimer la ferme et profonde conviction du Conseil de la Cour de travailler de telle sorte que ce bâtiment soit l'incarnation de la morale publique et qu'il représente le bon lieu de la sacralisation du respect de la légalité institutionnelle et des principes de la bonne gouvernance administrative et financière. Dans le moment où on a parlé là, il y a divers projets d'administration président Jovenel Moïse l'a finalisé à différents niveaux. Nouveau local coup des comptes là, c'est un dans projet ça qui aboutit. Chef l'État dit qu'il est satisfait de réalisation ça, pendant qu'il encourage une fois encore tout secteur en dans l'État rester uni et puis solidaire dans l'intérêt collectivité. Réforme qui pour faire
dans la modernisation, numérisation de l'administration publique, là, nous ne sommes pas dans plein 21e siècle pour nous dans un bout de papier toujours dans l'État. Il est le temps pour l'État digitaliser. Ça veut dire que si courant a mis pour mettre courant, pendant que courant a mis, c'est pour l'État tout capable de travailler avec bon genre système qui permet que la numérisation de l'administration publique soit faite. Goumen kap fèt nan lit kont korupsyon. Reform ke nap pale sou zafè konstitisyon ki pou mete ekilib nan mitan 3 pouvwa l'Etat yo. E ki pral pèmèt peyi a byen gouvene. Mwen rete kwè ke se wout sa yo pou nbo. Gapil moun ki pè di sa. Gapil moun ki pa vle di sa. Mais moi-même, comme premier citoyen, PIA, son seul choix mien, c'est dit ça. Dit vérité. Réforme ça yo indispensable. M'a dit responsable entreprise construction, compliment. Ingénieur, ouvrier. M'konnen ouvrier au travail la journée, kon la nuit. M'konnen ap sot nan palè a bien tard. Et puis m'tande, fè a frapper sous côté ya. Toute la nuit, toute la journée que vous travaillez. Entreprise supervision, yo. Entreprise ça, qui lui-même, c'est pour mettre contrôle, pour dire, béton ça a coulé, il n'est pas bon, laisse ça couler le bon. Entreprise ça, lui important pile. Je vous compliment pour lui, pour bel travail ça. Et nous connaissons chaque occasion que me joigne. Je ne vais pas rater pour me rappeler tout acteur politique, yo. Tout le monde dans la société civile, là, leader religieux, force économique, yo, toute force vive nation qui est très solidarité, très vivre ensemble, très stabilité, très union, très réconciliation. Très ça que moi toujours parler nous, il n'est pas trop loin pour le déraper. C'est nous-mêmes ensemble. Qui pour presser pour venir prendre place nous. J'aime ce deal dans l'administration publique là. Entendez yon ak lòt. Le gros problème, pas que de la rue qu'on a fait nous. Mettez, men ensemble, combite. Après coup cassation, ministère intérieur et ministère commerce, nouveau local coup de contact contentieux administratif là, fait 4e bâtiment qui finit dans la cité administrative là. Construction nouveau local ça a coûté environ 31 millions de dollars. Dans le cadre d'un accord entre l'État haïtien et le Fonds monétaire international FMI. Après l'assassinat d'Evelyne Sincère, en pile institution dans le pays d'Haïti prend décision de fermer les portes d'une façon pour être capable de solidariser, pour être capable de joindre justice pour la famille Sincère. Eh bien, Fom dit nous, dans ce moment-là, il a annoncé que en pile journal dans le pays a fermé tant coup journal première occasion ak en pile l'autre institution prend décision fermer porte pour jusqu'à ce que yo joigne justice pour Evelyne Sincère. Dans même moment, il a annoncé yon campagne de nettoyage dans Delma 24 pour capable nettoyer côté pile fatra sa te ya, côté ou te jete Evelyne Sincère la, yon façon pou yon capable al depose jeb fle avec bougie. Nan mitan instabilité politique pays d'Haïti ap konnen depuis plus passé de l'année, gen tout phénomène insécurité qui impose population vaki ak occupation comme sa doit. Par rapport à exact kidnapping qui a répété presque chaque jour dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, mettez sous sa massacre qui a fait souvent dans quartier populaire sans compter si là qui a tombé en babal moun akzam. C'est dans contexte ça, divers citoyens et quelques entités dans la société haïtienne ont décidé de lever voix yo pour forcer les autorités concernées à agir devant situation si là yo. Côté étudiant l'école normale supérieure, yo, te planté piquet yo hier lundi 2 novembre 2021 devant bâtiment qui logeait ambassade française dans Port-au-Prince à travers une exposition photo moun qui mourit dans dernier jour yo pour mander gouvernement pays la France là désolidariser yo avec gouvernement haïtien yo croit qui pas innocent dans ma suite y a monté chaque jour. Aujourd'hui, dans ça qui a passé dans pays là, li inacceptable pour que la vie yo nan bagay qui plus important nan existence moun pour que jounen jodi an nan société haïtienne nan au 21e siècle en 2020
pour que la vie banalise comme ça. Après, nous avons la caillou. Nous avons dit ou pas prendre la rue, ou rester la caillou, vous assassinez la caillou. Vous assassinez dans l'université, qui est un espace qui est inviolable. Vous entrez dans l'université, vous faites repression sur les étudiants, vous arrivez à violer les étudiants dans l'université. Ça se passe à l'imbé. Vous avez dit que vous avez coupé tête dans la section communale, vous faites servir des drapeaux. Mais ça qui plus indigne les gens qui passé, ou après le gouvernement n'a pas fait aucun signal pour que les gens qui passé l'inacceptable, ils ont fait avec. Donc ça prouve que le régime PHTK, c'est un régime criminel, c'est un régime qui est venu pour brasser le peuple haïtien. C'est ça qui fait nous-mêmes, nous prenons le béton là pour que nous demandions la population haïtienne pour lever le campé. Ou après, nous ne pouvons pas parler seulement pour Evelyne Sincère, qui est un jeune qui fait que ça propose dans le baccalauréat, capitaine de résultat de l'université. Nous ne pouvons pas parler de Grégory Saint-Hilaire, un étudiant, mais nous sommes un monde. C'est ça qui fait tout, nous demandons pour gagner bon genre enquête qui fait sur agent IRGPN qui a été assassiné dans l'hôtel Révélation 1. Parce que nous-mêmes, nous ne pas arrêter dans la question. C'est un agent IRGPN qui était à battre Kamad de Grégory Saint-Hilaire. Ils ont assassiné un agent IRGPN qui a assassiné là pour que nous disions ça va. Nous, c'était un monde d'abord. Il faut qu'il y ait justice pour tout le monde qui a tombé. Il faut qu'il y ait rigole sans ça, les campés. Mais nous-mêmes, nous connaissons que la France, depuis le temps et le temps, la France est toujours à prôner de la droite monde. La France est fait passer pour champion dans les affaires de démocratie. C'est ça qui fait nous-mêmes nous venir là devant l'ambassade de France pour que nous demandions support aux populations françaises à travers le gouvernement français pour que nous désolidarisions à régime criminel, ça, à régime sans moment, ça, qui mettait de l'eau, qui mettait de la caille famille haïtienne. Il y a le côté tout, c'est plusieurs organisations sociopolitiques tant que nous voulons vivre, Force Delma, Force Canapé Vert, bon équipe Anel Belize, pour ne citer ça ou seulement, qui était devant le local ministère Justice et Sécurité publique pour réclamer justice pour ensemble des monde qui victimes dans les derniers jours. Je viens là aujourd'hui à moi mettre en place Evelyne. Moi senti toute saleté sorti parce que même moi son jeune fille. Moi t'ai qu'à en place Evelyne. Moi viens demander justice pour Evelyne. Moi viens demander libération pour toutes vos derniers politiques. Sécurité d'État ça. Pas que fini Evelyne. C'est pas mourir pour que merci. Sans Evelyne, c'est pas servir anglais pour terre. Mais c'est pour servir anglais pour bataille peuple là pour jusqu'à ce que je vienne aller. Grégory Saint-Hilaire, sans le pape. Nourriter à pour que merci. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Jeune femme par exemple, jeune garçon par exemple, Simon par exemple, nous disons pas capables encore. Faut que je t'aille aller. Pour une série de messieurs et dames qui cagotent plus que 4 milliards de dollars dans nos pays, qui a marché, qui a flané, pour que jamais aucune action en justice n'est tentée contre eux. Moi, c'est aujourd'hui extrêmement important pour nous dire ministère de la justice, y compris dans tout ça qui tapine qui a fait dans le pays. Y compris dans toute cette injustice qu'a fait dans le pays. Là, on a regardé Evelyne Sincère, un jeune petit femme qui est très bon dans le pays, qui fait qu'une paix philosophique, regardez comment elle mourit, et vous donnez toutes les qui ont une mission pour protéger le peuple. Vous voyez tout à fait tweet, il y a bonnes condoléances pour la famille. C'est pas ça. Nous avons besoin d'un meilleur. C'est pas ça, nous besoin d'un meilleur. Nous n'avons pas besoin de condoléances, nous n'avons pas besoin de tweet. Toutefois, le gouvernement haïtien, à travers le ministère intérieur et la collectivité territoriale, tente depuis quelques mois une opération dans différentes villes en la capitale qui vise à mettre en bas de tout bandit qui a semé la trouble en tant que pays. Yo l'autre côté encore fantôme 509 depuis nous dit fantôme 509 nous déjà ouais acquiesce que nous en a fait yo fait connait yo c'est sans famille sans amis parce que yo déjà mouri à cause que yo relé tête yo fantôme 509 nous déjà ouais c'est zombie yo voyé un gros appel bay yo voyé un gros message alors bay que gouvernement pour yo dégager au pressé pour yo joindre moun ki touye Evelyne Sincère là et non seulement ça tout yo a pas revendiqué pour toute l'autre qui pas de joindre justice tant qu'au maître Dorval avec Grégory Saint-Hilaire étudiant que yon agent nan palais t'est arrivé tué donc yo déjà voyé annonce sa bay yo fait qu'on est que yo pas dormi faut Zack malhonnête kidnapping ça suspend nan pays pour Jean Bagay ça a évolué nan pays d'Haïti cause kidnapping ça mettez que tout monde sous biscuit parce que bien avant ou t'es capable pè moto mais pour le moment quitte machine quitte moto ou pè tout deux ça veut dire là pas gen personne qui gen confiance nan personne ou sorti ou entré di bon Dieu merci parce que situation pays d'Haïti li onti jan difficile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est là n'a mette yon bout nan journal jodi a rendez-vous cassé pour yon lot
Vidéo n'a croisé dans un petit temps qui pas trop long, toujours fou cause en mi information qui toujours camper bon côté. Bonjour bonsoir tout le monde, bye bye.